Via Alemannica, c'est l'idée d'un voyage sur le lac ou sous le lac ou autour du lac qui n'existe pas, mais qui n'existe que dans mon souvenir. Tu vois ce que la musique nous fait faire? On fait des voyages. Bah juste à côté, c'est là où je suis né en fait. Helvetia, ça représente des choses plutôt autobiographiques pour moi. La première partie de cette œuvre, c'est un souvenir, un vol en avion que j'avais fait avec mon père au-dessus des Alpes, dans le Valais. Alors, Via Alemannica, c'est l'antithèse de l'Alpensymphonie de Strauss, puisque c'est le reflet des Alpes dans le lac. On ne possède pas un lieu, c'est le lieu qui vous possède temporairement. Vous n'êtes là que de passage.